souhaité élargir les invitations, notamment nous avons l'honneur tous les ans d'avoir M. Ahmed Lawedj, qui est le premier responsable de la vie associative et de ce noyau important sur notre commune, ainsi que, très content, ainsi que de monsieur Gérard Segura, le maire d'Aulnay-sous-Bois. Nous avons voulu élargir car nous sommes en route vers les 40 ans. Et ce petit moment nous permet de pouvoir échanger sur certains projets que nous aimerions vous soumettre. Nous avons déjà marqué, M. Lawedj et moi, une séance de travail cet été, donc après le 20 juillet. M. Lawedj travaille l'été. C'est une révolution, ça. Hein. Et donc nous ferons nos propositions les uns et les autres, mais avant tout, effectivement, l'association culture portugaise est des 10 associations les plus anciennes de France, avec une action de participation pleine, notamment sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, même si elle dépasse de temps en temps le domaine local, mais allant outre département, région. Pour nous, il était essentiel de vous avoir à nos côtés. Ces 40 ans, pour les nouvelles générations, pour les générations de mon père qui ont eu ce courage, ce culot de construire cette participation active des Portugais de Aulnay, pour nous est importante. Et nous savons et nous espérons pouvoir compter de nouveau sur la municipalité d'Aulnay-sous-Bois pour que cette année 2013 soit une année festive, une année de découverte, une année d'échange et une année probablement aussi de coopération, d'après ce que j'ai entendu. Et donc, je vous remercie les uns et les autres de votre présence. Je laisserai, avant que Monsieur le maire puisse nous dire un petit mot, la parole à Monsieur le vice-consul principal du consulat général au Portugal, afin qu'il puisse nous dire un mot en représentation de Monsieur le consul Pedro Lopi. Bravo.